contre, c'est Nessendil sur arc Kawaii. J'ai recrafté quelques trucs, des fléchettes. J'ai donc mis l'upgrade station, donc c'est le mode upgrade station, qui vous permet donc d'upgrader vos accessoires. Donc j'ai amélioré mon fusil, ce qui devrait beaucoup nous aider. Nous avons donc toujours nos pièges, j'ai repris des carottes, j'ai amélioré le deuxième fusil, j'ai pas su l'améliorer autant, mais bon, ça sera suffisant. On a des cryos, de la viande, je pense qu'on est pas mal pour repartir en exploration et timing. Je regarde sur mon deuxième écran que vous ne voyez pas vers où on va se diriger en priorité. Ah, je ne sais pas. Ah si, je crois qu'on va aller là-bas. C'est un peu loin, mais bon, la map n'est pas si grande que ça. Ah ouais, on n'a pas encore été là-bas. C'est pour ça qu'on les a pas vus. On les a jamais vus parce qu'on n'y a pas été. Bon, bah c'est parti. Je vous retrouve là-bas, sauf si je croise quelque chose d'intéressant en route. Oh, bonjour copine. Elle est belle. Oh là là, elle est belle. Niveau 20. 3 cristaux, ouais. Au niveau 20, c'est un peu nul. Mais elle est vraiment jolie. Elle est très jolie. Le problème, c'est qu'on n'a plus de cristaux primordiaux puisqu'ils ont périmé. Et que du coup, c'est une loutre là-bas. Et que du coup, si on en reveut, il faut ouais, rendormir... c'est normal. Il faut rendormir une autre wyvern, genre celle-là. En fait, il faudrait rendormir celle-là pour lui prendre ses cristaux pour ensuite la tamer. Ouais, bon, c'est pas ce qu'on est parti faire maintenant, mais on peut se rappeler, elle est vraiment pas loin de la base, qu'il y a cette jolie wyvern ici, décorative, hein. Là on est sur de la wyvern décorative, hein. Vraiment, vraiment. Mais j'ai d'autres choses à faire, ça on a déjà fait, on peut refaire, hein, pour faire un petit côté collection, améliorer encore notre collection, donc. Mais j'ai envie de quelques nouveautés d'abord. Il y a un Pégase rose. Il y a un Pégase rose. Alors, est-ce que je tente comme on a fait la dernière fois? Parce que bon, il est là. On est censé faire la collection. Alors, s'il est par 3. Hein. Je vais mettre à la place de ça. Ça va me retrouver dans les touches. Ah bah oui, bah il est là, quoi. On essaie. Ah oui, d'accord. Hé hey non, non. Non. Ah ok, celui-là il est un petit peu agressif. Ok, donc il aurait fallu le bola avant qu'il tombe sur mon griffon. Et bon, tu tapes pas lourd un gars. Hein, oh, il y en a un autre là-bas. Je crois qu'on est vraiment sur le coin. Ah. Par contre, passif on a dit. Bah, j'ai plus de bola. Bah, je pensais en avoir recrafté. Ça va. Ah oui, d'accord, t'appelles tes potes. Merde, j'ai plus de bola. Mais c'est quoi? Vous allez vous détendre. 1800? Ah oui, d'accord. Attendez, on se fait attaquer par les mouches. 1800? Vous en va pas bien? Et vous êtes chiant, il y avait une licorne aussi. Bon, je crois qu'on reviendra faire une expédition poney. Attendez, j'ai vu une licorne par là, mais bon, pareil, l'affaire, ça va être... Ah là, celle-ci, elle est rouge. Mais alors, et regarde, le même jaune un peu dégueulasse. Bon... bon, on repère où ils sont. Bah, de toute façon, c'est à la plaine. Hein. On reviendra avec des bolas. J'étais sûre d'en avoir fait, mais visiblement non. C'est un peu vénère. Hein. C'est un peu vénère comme bestiole. Regardez-moi ça. Là, il y en a un qui part. Allez, hein. Je reviendrai. Je tamerai un de vous. Alors, bah, restez dans le coin. Nous nous reverrons. Oh, il y en a encore un là. Ah oui, alors le Pégase rose, on va l'avoir sans problème. Hein. Ça va être easy peasy. Non mais, ah oui, d'accord. On a eu comme un spawn de Pégase rose. Mais, oh il est tout en... Non, si il est ensemble celui-là, non. Il est juste bizarre. Il est juste bizarre. En même temps, créer des bolas, ça doit pas être bien dur. Celui-là, il est tout seul. Attends, copain. Je veux juste de quoi faire des bolas. Qu'on a récupéré de la peau, il nous faut de la pierre. Hop. Oh non, parce que je vous connais. Je sais, j'ai dit qu'on repassera. Mais je vous connais. Oui, mais il y avait le Pégase. Ça aurait été bien quand même de le taper, le Pégase. Oui, bah oui. Je comprends bien, oui. Ah, il me manque quoi?
Ah bah les pots. Ah et la fibre. Qu'est-ce qu'il en faut comme truc pour faire ce machin? Des trucs, des machins. Tiens, prends un peu de points de vie et soigne-toi pendant que je récupère de ça. En plus, on n'est pas loin de la zone rouge qui peut taper un peu aussi. Donc on va faire attention, on va se méfier quelque peu. Je pense que je vais remonter sur ma bestiole. Bon, là, on part un peu sur du timing dans tous les sens. Hein. On va bien voir ce qui se passe. Du coup, il est là. Ah, mais il y en a un autre, un cotin qui va venir nous attaquer. Oh, puis il y a des dindons. Oh là là, quel enfer. À moins que le Pégase là-bas les emmène. Non, parce que du coup, il va protéger son copain. Bon, allons chercher un autre. Donc ces deux-là, ils sont en train de... Ouais, j'en vois plus qu'un. Ouais, voilà. Ces deux-là se battent avec des dindes. Mais j'en ai vu encore un autre là-bas. Voilà. Toi, là. Non, lolo. En plus, c'est chiant à faire, ces bestioles. On va pas se mentir, hein. C'est chiant à faire, au possible. Ah, il est là. Attends, t'es bien passif hein? Pas du tout. Oh, 135, on n'est pas couché. Ça va être un peu loin à mon goût, ça. Alors, vite, ce que je ne suis pas en train de faire. Vite. Voilà, bah, mets des portes. Là. Et je pense qu'il est enfermé. Je pense qu'on peut y aller. Mal Valentine Pegasus. Ça va prendre un temps infini. Ah, ça fait du bien, un bon fusil. Ah, vous voyez la différence par rapport à celui qu'on a fait l'épisode d'avant, le noir. Tu vas te détendre par contre, Maurice, parce que tu restes que t'es qu'un poney. T'es un poney poulet. Hein? Il n'y a quand même pas de quoi avoir peur. J'ai plus peur de ce qui pourrait arriver par derrière que de toi, mon grand. Franchement, faut pas se faire emmerder par un poney poulet. Encore une? Allez, m'oblige pas à gâcher une flèche. Oh, je vais foutre une comme ça, hein, de la crotte. Hein. Allez, hein. Oh, ça baisse à une vitesse, c'est un truc de fou. Voilà. Bon, bah voilà, on va l'avoir, notre poney rose. En plus, on a un bon level. Ce n'était point prévu comme ça, mais c'est encore mieux, écoutez. Tiens. Les copains sont pas venus nous attaquer, là, c'est les siens. Ok, non. Pop. Bien récupérer la porte, merci, même si j'en ai fait une de rab au cas où, parce que je sais que je suis un boulet. Ce que j'ai pas fait pour la BMOD, parce qu'il fallait pas déconner. Ok, ça va aller super vite. Toi, tu peux reprendre du point de vie et te soigner. Ah, c'est le cas de le dire. Non, reste là. Attends. Reviens. Que je te prenne une cryo. Donc, on a un Pégase rose. Ah, celui-là, il a qu'une paire d'ailes. Attends, mais on va le tester. Parce que le noir, il avait deux paires d'ailes. Ah ouais, celui-là, il en a qu'une. Il fait des petits cœurs. Regardez ses paillettes. Ses paillettes, c'est des petits cœurs. Oh, c'est trop kiki. C'est trop kiki. Allez. C'est mignon comme tout. Regardez-moi ce joli petit Pégase. Et là, on l'a tamé easy. Hein. On a la technique, ça y est. Allez, file-moi tes carottes. Et, oula. Et on repart. Eh ben, il y en a des rayons par là. Bon, par là, on a pas mal d'animaux à tamer. Mais je reviendrai. C'est vrai que dans la partie... voilà. Ouais, par là, normalement, on avait vu plein de choses. Mais on reviendra, je pense. J'ai vraiment très fort envie d'aller voir quelque chose que j'ai vu sur la map du mode de cristal. On n'a plus beaucoup d'énergie. J'espère qu'on va pouvoir se poser. On n'y voit pas grand-chose dans cette forêt. Hein. C'est un peu la forêt du fouillis.
Si on... Ah, là-haut. Si on peut pas se poser, ça va être compliqué, mais ça va aller. C'est bon, on est large, il n'y a rien ici. Bon, easy. Pep-pep-pem. Alors, c'est nul. Oh, c'est nul. Ah, ok, rien. Non, vraiment, là, non. Non, là, vraiment, non. Oh! Oh là là, mais ce quetzal! Ceci est un quetzal de Pâques! Oh là là, il y a un tech! Oh, attendez, je mets juste une flèche dedans pour voir s'il en faudrait beaucoup. Logiquement, oui, hein, mais profitons que nous volons. Ah ouais, hein, quoique, hein, c'est peut-être gérable. Hein, on fait une quetzal de Pâques. Bon, je suis pas bien sûre de l'utilité, mais vu la vitesse du bestiau... je pense qu'il y a moyen de l'avoir. Attends, madame! Attends-nous! Attends! Ah merde, faut que je fasse attention à mon énergie. Ah mince, j'ai oublié ce petit détail. Ce tout petit détail. Faut qu'on se pose. Ah zut! Oh, c'est rigolo. Il est rigolo, ce quetzal. Attends, et avec des flèches. C'est rien. Oh là, non. Je l'aurais pas. Attends, bien au-dessus. Non. Vite, vite, reprends ton ondu. Vite, vite. C'est pas de ça que je venais tamer, hein. Je ne savais pas qu'il y avait un quetzal de Pâques ici. C'est pas du tout ça que je viens rechercher, mais j'avoue que... Oh, il y a des poneys par dizaines. C'est non plus de ça que je venais chercher. Oula, attention, on nous fait un sprint. Oula, elle nous fait un sprint sur nous. Reviens, madame. Ça m'a perturbifié. Je dis madame. Oui, c'est ça, c'est madame. Oh, dis donc, t'es pas rapide, hein. C'est vrai que les quetzals ont le jour mou. Bon, bah, on va tamer d'autres choses que ce qui était prévu. Mais c'est pas grave, ça fera qu'un épisode de plus, hein, sur cette série courte. Bah, madame, pourquoi vous voulez plus? T'es cassé? Pas. Bah, madame, t'abandonnes? Tu veux venir avec nous? Ah, tu viens d'avoir un éclair de lucidité. Pa 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 pa. Là, c'est bon, hein. Bon, bah... Comment dire? Bah, on va faire un quetzal, hein. Il faut quoi à manger? Ça va être long. Mouton 5, ouais, quand même. Bah, on va faire ça, hein. Bah, elle est rigolote. Je pouvais pas la laisser. Je pouvais pas la laisser. Elle est trop drôle. Elle est beaucoup trop drôle. Et puis elle est bon level. Je sais pas ce qu'on va en foutre, mais elle est bon level en plus. Bon, bah, et non, l'avantage de faire ce timing imprévu et de rester à faire ce timing imprévu, c'est que la nuit devrait passer. Parce que... C'est sympa comme coin, parce que je suis pas très fan de me balader la nuit, hein, quand même. On va pas forcément rejoindre des copains très sympas. Du coup, c'est pas si mal, hein. On va rester là le temps que le quetzal se relève. On va rester au calme. Oh, j'ai vu un truc qui fait peur. Ah non, c'est une tête de bronto. Attendez, on va explorer un petit peu autour, parce que là, ça va être très long. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une tête de bronto qui dépasse? C'est ça? En tout cas, on entend un bronto. Ah ouais? Ah ouais! De loin, ça faisait peur. Je suis désolée. Regardez-le. Vous trouvez pas? Moi, de loin, j'ai trouvé ça flippant. Hein. Donc, il doit marcher sur une île en dessous. C'est très étonnant. C'est très étonnant. On a des fleurs lumineuses. Alors, tout à l'heure, on a vu plein de poneys pendant qu'on tamait le quetzal. Ouf! Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, ça, c'est pas des poneys. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais même les poissons, c'est des piranhas. Oh! Mais vous êtes pas bien, et donc c'est des piranhas. Qui pète les plombs. Non, c'est des saumons irradiés.
C'est des saumons irradiés vénères. Tout le monde est irradié d'ailleurs. Oh ouais, non, mais les carquinos là. Ok. D'accord. Ça, c'est déjà un petit peu plus flippant. Ça, c'est déjà. Hein? Mais par contre, je sais pas où sont les poneys. Ouais, d'accord. Tout à l'heure, quand on tamait la copine, il y avait plein de poneys. Le problème, c'est que je sais déjà plus où c'est. Des papillons. Papillons de lumière. Non, rien d'intéressant. Des argentavis. Tout bête. En même temps, pour aller chercher les métals, mais on faudrait peut-être quand même, hein, mais bon. Nous aimons la variation. Nous avons besoin de nouveautés, très cher. Un petit peu de nouveautés, ce serait mieux que de bêtes argentavis comme ça. Bon. Des petits cristaux orange. Bah, je sais pas. Hein. J'ai cru voir plein de poneys tout à l'heure, mais j'avoue que je me suis un petit peu perdue depuis. Oh, c'est beau ça. Regardez. Oh, c'est sympa. De toute façon, cette map, elle est magnifique. Et encore, là, il y a du gamma. Je mets du gamma pour pas me prendre les murs, mais normalement, ça brillerait encore plus. Et je vais. J'ai plus d'endu. Vas-y, pose-toi. Ah, ça y est, il est passé au vert. Il est pas... Ah, les poneys. Ils ont l'air d'être tous normaux. Ouais. Ça a l'air d'être de simples poneys. Ouais, hein, non, hein, les pégases et les licornes, ils sont tous dans l'espèce de plaine, là. Bon, récupérons notre petite Quetzal. Elle est-y pas mignonne. Elle est-y pas mignonne. Et regardez-moi ça. Ça, c'est du Quetzal, comment dire? C'est du Quetzal, comme somme toute, un petit peu particulier. Un petit peu. Elle est très belle. Elle est magnifique. Eh bien, écoutez, ça sera un court épisode pour aujourd'hui, pour tous les épisodes qui, des fois, sont trop longs. On va arrêter là sur ce timing totalement imprévu. On a quand même un super Quetzal, parce que, mine de rien, elle est belle, elle a très beau level. Et on a quand même un Pégase rose. Et je vous retrouve dans le prochain épisode, à l'endroit que je cherche, on n'est plus très loin. Du coup, on se retrouve très très vite pour que je vous montre ça. Des boujoux. Time flies, close your eyes, imagine you could see. Everybody else's dream, what a comfort it would be.